mes chers compatriotes. Vas-y, parle, qu'est-ce que tu veux? J'ai justement deux ou trois choses et j'ai envie de vider mon sac. Ce qui nous unit, c'est notre attachement à la démocratie, à la République. Tu veux qu'on en parle? Ce qui manque dans tous les villages français, c'est l'expansion économique! Mais vous êtes cinglés! Calmez-vous, calmez-vous! Vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas qui je suis, ni de quoi je suis capable. Vive la République et vive la France. Ce serait quand même bien de s'occuper des gens. C'est un grand mot de dire ça parce que ça fait partie de slogans, c'est sûr. Mais je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de précarité. On est là, on voit passer des événements, on voit passer des choses, on voit passer des animations, des activités. Et en fait, on les regarde et on les voit passer. C'est un peu la caravane passe. Et je trouve que c'est un peu ça les valeurs de Valorcine, c'est l'humain. On sait tous qu'il faut défendre notre patrimoine et notre territoire, on a bien compris. Mais en fait, l'humain à travers le bénévolat, c'est fini. Il y a trop de systèmes qui font de l'argent. Alors j'en citerai pas parce qu'on en a tous en tête. Il y a trop de systèmes qui font beaucoup d'argent ici et qui nous demandent du bénévolat. Et qui demandent, ouais mais c'est juste pour ça, ouais mais c'est juste... Et en fait, ils vivent où les gens? Alors ça va, on vit de nos jardins, on vit à peu près. Mais finalement, il y en a quand même qui ont vendu leur maison de famille parce qu'ils ne pouvaient pas rester. Il y a beaucoup de systèmes qui sont mal en point. Et comme on sait que tout s'accélère en ce moment, je pense que les systèmes à venir vont être très mal en point. Donc prenons vite soin des gens. Valorcine en a besoin. La société en a besoin en général. On a tout le monde qui vieillit. Qu'est-ce qu'on fait de plus? On fait des réunions, on fait des projets. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'on va leur serrer la main, est-ce qu'on les rencontre? Est-ce qu'on va les voir? Non, parce qu'on n'a pas le temps, c'est du bénévolat. Puis finalement, c'est pas bien payé, quoi. Donc on n'a pas le temps de faire tout ça. Alors prenons soin des gens, des services, de tout ça. En réalité, j'ai qu'un seul slogan, c'est si les gens sont bien là où ils vivent, eh ben, les gens seront contents de venir les voir en vacances. Aujourd'hui, on vient simplement visiter nos montagnes, parce que nos montagnes, ben oui, elles sont magnifiques. Mais je suis pas sûr que les gens aillent bien. Alors, voilà, ça peut être une question en tout cas. Et au lieu d'être une réflexion et une philosophie, parce que ça, tout le monde en est conscient et tout le monde est d'accord, c'est vraiment de l'action aujourd'hui. Terminer ce marchandage et cette mise en place de tout ce qu'il y a autour de la montagne. La montagne, c'est d'abord des gens, et c'est les gens qui ont fait la montagne, c'est les gens qui ont créé la nature, c'est les gens qui ont créé tout ça. Parce que ce sont que des concepts. La nature, elle s'en fiche d'être la nature. La montagne, elle s'en fiche d'être la montagne. Mais finalement, s'il n'y a pas les gens qui la montrent, qui l'organisent et qui la proposent à leur façon, ben la montagne, c'est juste un bout de rocher avec des cailloux et un peu de végétation.